kapange fana pesa yandi kidimbu ya kifumu kasi na kutalati na tola mfumbi ya papa wimba kuiza awa na banta Kinshasa kuna na Abidjan na incha Côte d'Ivoire luyalu banzila kana kupesa ni kidimbu ya kufumu pe mingi ya batu vanda kavana samna kubanza moyani papa wimba anvandaka yimbidi anene na tuna Congo Democratique yimbidi anene na Inza pena Afrika bubu yai batumi mefuluka ba mika tukana ba inti ya Kinshasa samna kuza dila le roi de la sap tinu ya sap ikele papa wimba na kutala batu mefuluka mingi pange mikro nange. Merci à Adolphe Kianga Kianga, l'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est rangée pour la couverture médiatique de ces obsèques, de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Nous nous rendrons au Palais du Peuple, au village Molokai et sur la place Victoire, nos célèbres quartiers Matongé au cœur de la capitale congolaise. Alors nous allons présentement passer l'antenne à l'autre équipe de la RTNC qui se trouve présentement juste devant la porte de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Apoipam, vous avez la parole. Ok, voilà, merci Guy Matundu. Nous sommes devant la morgue qu'on vient d'observer. Je suis pas seul, je suis avec Lolo Milolo. Nous venons de vivre l'arrivée du gouverneur de la ville, le premier citoyen de la ville, André Kimbuta, qui venait donc faire son entrée. Mais bien avant lui, on a vu la famille de Papa Wimba. Oui, Madame Marie-Rose Amazon Wimba Duo est arrivée, accompagnée de tous les enfants, alors vraiment de tous les enfants. On les a bien installés en attendant que nous puissions commencer. Donc cet artiste de 67 ans qui nous a quittés avait une grande famille, avait beaucoup d'amis, comme on l'a dit, Ayebanaki Pemokili, Mobimba, Poete, Lokumo Bapessie, car en Côte d'Ivoire et Sika, Atiki, à qui confronté mais va spécier le coup n'a mis qu'il l'union sur l'Afrique et en gros moni tout et les milieux sont la morgue awa gouverneur de la ville et André Kimbuta et en gros à outikokota bongo bisounion sur tokozé. Voilà, comme Milolo venait de le dire, vous qui me suivez à travers le monde, l'artiste meurt à 66 ans et nous sommes à la morgue de l'hôpital cinquantenaire ici à Kinshasa où son corps était gardé à cette morgue. Nous sommes venus pour la levée du corps et on a assisté, même ses amis d'enfance sont là. Il y a un monsieur qui vient de Brazzaville qui a vu naître également Viva la Musica. Il nous a parlé de cette histoire, comment ça a commencé. Et lorsqu'il quitta Zaïko, ils vont faire Issifi Lokolé. Après Issifi, lui va faire Yoka Lokolé. Alors ma voix va l'arracher le micro en fait. Et ça lui a fait très mal au point qu'il a abandonné. Il a abandonné. Oui. Il voulait même laisser la musique et rester au foot. Mm-hmm. Bah, c'était un joueur aussi, un entraîneur. Mm-hmm. Et par la suite, ses amis du quartier l'ont encouragé pour dire non, n'abandonne pas. Et puis il a crié « Viva la musique !» C'est de là qu'il est parti. C'est là qu'il est parti, le nom. Voilà, alors son ami d'enfance est là, il dit « Aujourd'hui, il est parti. Il est mort avec honneur sur la scène comme lui-même l'avait souhaité. » C'est pour dire que ici,